Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bravely Default 2. J'espère que vous allez bien, nous allons continuer notre aventure que nous avions commencé dans l'épisode précédent à la pourchasse finalement de... comment il s'appelle d'Adam, et maintenant on va tout simplement devoir... Hop, on va quitter le donjon. On va devoir... aller chercher la sœur d'Adèle. Alors c'est un peu chiant qu'on soit dans le donjon. Okay. Heureusement que cette pierre existe, que l'on puisse quitter le donjon facilement. Voyez-vous. Hop. Ta-da-da-da. C'est par contre, c'est où qu'il faut que j'aille? Ta 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 ta. Carnet de voyage. Ok, Holograd, il y a le nuage qui s'est barré. C'est à Rimdal hein, qu'il faut que j'aille du coup. Non, il faut que j'aille à Alcyonia, il me semble. Rejoigne Moussa, royaume jadis florissant. Mais c'est ça, il faut que je retourne à Alcyonia. Ta 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 ta. Donc on va essayer de. D'aller à. C'est là-bas. À Rimdal justement pour prendre la calèche. Je sais pas s'il y a qu'elle y a encore. Mais je suis pas certain. C'est quoi ça? C'est un donjon, merde. Je pensais que c'était Rimdal. Non, c'est Rimdal ça. Je reconnais pas. Je crois que c'est Rimdal. Ouais, c'est Rimdal, ok. Toi là. Fais-moi aller à. Alcyonia. Il me semble que c'est là. Hein. Si je me souviens bien, c'est ce que... Comment elle s'appelle la princesse de Moussa nous a dit. Comment elle s'appelle? Je me rappelle plus. Gloria, voilà. Ah, c'est pas ça. Ah merde. Un passage secret que j'ai zappé, il y a... Zut alors. Ah si, c'est ça. Mais c'est par là, ok. J'ai quand même bien fait de prendre ça. Pa-pa-pa, là, il y avait un coffre là-bas, mais... Là, il y a un donjon. C'est une mission bleue. Mince alors, je n'y vois rien là-dedans. Inspecter le bâtiment. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est un donjon malheureusement. Ouais. On y est déjà allé, il y a juste un coffre. Procurez-vous le livre du garçon apeuré. Ok. Sont apparus de nuit. C'était à Alcyonia, ça. On ira la prochaine fois qu'on y retourne. Personnage perce quelques PV et quelques PM à chaque tour. Contagion. Ok. Ça, on n'a pas besoin de plus. Je peux prendre le pont. Et. C'est quoi ça? Ah, c'est le. C'est le vaisseau, ça, non? Ah c'est ça, c'est le vaisseau qui s'est crashé là. Ok. Et on peut retourner dans le vaisseau du coup, dans le donjon. Intéressant. Mais c'est bien ça. Par contre les tailles des objets par rapport au personnage, l'échelle elle est pas du tout respectée quoi. Ok c'est par là. Hein. Derrière la cascade. Oh mais non mais il y avait un monstre là, sérieux. Comment je suis censé le voir dans le feuillage là? Ouais, mais ça va se faire éclater. Je suis étonné qu'on ait gagné... What the fuck? Ah mais si, c'est vrai. Il est niveau 0, lui. Il faut que je tue des monstres. Vas-y, Seth. Je sais plus ce qu'il fait, mais il faut qu'on gagne des compétences.
Capturé, on s'en fout. 16, vas-y. Diabolisme. J'ai 3 puissantes attaques physiques. Ouais, c'est ça. C'était pas mal. Hop. On gagne peu de PC, mais c'est intéressant de... Bon, après, d'un autre côté, c'est... Quand on fera des niveaux de... des monstres de niveau supérieur, ce sera plus intéressant. On passe derrière la cascade. Et on arrive, du coup, vers Musa. Hop. Je suppose que c'est d'abord un long chemin périlleux. Ok, lui nous agresse du coup. Ah. On va peut-être faire un... une loupe, histoire de... Ah, 6000. 6000, 6000, c'est beaucoup. Et toi, tu fais combien? Objet, loupe. 5000 aussi, ok. Bon, ça c'est cool, les... Par contre, on gagne pas de PM. C'est bizarre. Okay. C'est bizarre, non? Vous trouvez pas? On n'a pas le... c'est quand on a le PB ou moins. Je sais plus. On a l'esprit de soin. On doit l'avoir, hein. Dévotion. Il doit y être, le dévotion. Il fait un sidéral à la lune. C'est tout. Vulnérabilité de lumière, il prend que 940. Ah si, on les prend, les PM. Très bien. Oh, ils craignent le feu. C'est tout? Attends. C'était quoi cette arnaque là? Attendez, on a tous les ennemis, je crois, lui. Toutes les cibles. Pas trop mal. Amasio, flamme de guerre. 4000, ouais. Aïe. On prend cher là. Oh merde. Je me suis peut-être vu trop beau. Ok, j'ai 4000. Je me suis peut-être vu trop beau. Magie, s'il vous plaît. Paf. Oui, il a toujours la contre-attaque. Mais j'ai pas bien compris les... Il lui faut des PV du coup, hein. Oh, t'es sérieux? Ah. Ah, c'est ça, ça prend des dégâts sur les... sur la durée. Il a repris des dégâts. Une cible à intervalle régulier, voilà, c'est ça. C'est plusieurs fois, il prend les trucs. Ok. C'est pas trois fois d'un coup, c'est... C'est intéressant. Et l'art de l'épée, j'ai toujours la posture fluide. Contre-attaque. Ouais, je l'ai déjà, ça. J'ai une section rapide de 4 attaques. On va voir ce que ça fait sur lui. Ouais, presque 2000 dégâts, ça c'est toujours intéressant. Pacte avec le diable. Un draconnier. Toutes les cibles là, je pense, ça devrait être pas mal. Et ça tue lui. Fini déconner. Et hop. Je pense qu'on est bien là. Boum. Et bam. C'est tout. Saloperie. Il craint quoi? Il craint le feu. Spiritis.
Allez, vas-y. Bon. Raté. Ok, mieux. Allez, on reprend les dégâts. Ouais. Il y a un truc qui peut passer à travers le défaut, voilà. Hop. Cess, il prend l'âme effroyable. Il a gagné qu'un niveau. C'est scandaleux. Il a pu en gagner deux. Bon, il a presque gagné deux. Le combat n'était pas aisé là. Hein. Je vais pas vous le cacher. Je vais passer là. Ouais. Bam. Ta ta ta. Alors, ça serait bien qu'il... Je veux voir ce que c'est s'il a comme compétence en plus. Merde, ça fait quoi ça? Lui se fait gâter. Ça fait quoi ça? Ombre. Baisse de résistance, ok. En plus du dégât face à l'ombre. Éclataxe le monsieur. Beaucoup. Bam. Et lui tente de provoquer l'effroi chez une cible. Ah. Unité effroi, super. Génial, génial. Et toi? Ah là, ouais. On va faire un saut. C'est nul. C'est tout moisi. Ah voilà qui est mieux. Ta 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 ta. La compétence lame de diamant. Ah, qu'est-ce que ça fait lame de diamant? Faut qu'on découvre ça tout de suite. Là, y a un petit pont, un petit pont. Paf. On dégaine l'épée. Ça serait bien de les capturer ceux-là. Être un petit peu abusé. Point de pression. Là, il a pris un peu plus cher. Ah, spécial. Lui, il fait quoi déjà? Ah oui. Un mutisme. C'est fou, là. Pas très puissant. Peut-être le capturer. Ok, nice, on a réussi. Non, tu peux pas te rendre de trucs, toi. Si, dévotion. Bam. Ça, ça fait quoi? Dépense 25% irrégulier. C'est des cas de foudre. Bon, autant faire le feu, hein. Hop. Bon, on l'a pas eu. Ça aurait été bien. Aïe. Il est pas mort, Cess? Incroyable. Bon, il faut pas viser la gueule, lui. Et on le capture, ça c'est cool. Divination, arcane triple, augmente la résistance d'une cible, temps de stopper, miroir, on prend les attaques standards, triple, réduit la résistance d'une cible, permet à une cible d'agir plus rapidement. On va la faire venir plus vite parce qu'on a besoin. Cela dit, je pourrais faire un spiritisme, il a régénération, 10% des PV à la fin du tour. Ça peut être bien ça pour lui. Là pour le coup on va le soigner mais... Ça peut être pas mal. Okay. Bam. Badaboum. On le capture et on dit 6300. On l'a éclaté. On l'a éclaté. Hop. On va monter là.
par là, je suppose que c'est le bon chemin. Ah bah non, te foire pas comme ça enfin, Elvis. Ça dégage. Spiritisme. On peut faire un dévotion. Prendre des PM à Adèle. Attaque. Non, on va faire un saut. Boum. Boum. Et lui, s'il va tomber là. Non, bon. On l'a pas eu. Triste. Paf. Ça c'est cool. Je sens la mauvaise surprise évidemment. Ah non. Je suis médisant. Paf paf paf. On est dans des mines là, c'est chelou. Menu options. Nous allons sauvegarder. Bam. Encore un quart d'heure, ça devrait aller. Oula, il y a les cristaux de diamants là. C'est une mine de diamants. Intrigant. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Avantage ennemi. Ah merde. Je pensais que j'avais réussi à donner le coup d'épée. Ouh, ils sont nombreux. On va devoir faire sur lui. Ça dégage. Hop. Ok. Aïe, aïe. Diabolisme. Eux, ils craignent le feu. Donc, 1105. Du coup, c'est pas si bien. 1105 à... Ça le fait 3 fois. Mais après, il faut que j'ai plus de PV, quoi. Parce que c'est basé sur les PV. Mais bon. Je sais pas si c'est vraiment bien. In fact. Je suis pas certain. Je préférais mon combo bouclier machin là. Merde. Bah oui, ça fait des dégâts, mais c'est quand même pas. C'est quand même pas incroyable quoi. Mais merde, si j'avais su, je l'aurais fait sur l'autre. Elle aurait pas fait critique, évidemment. Hop. Aïe. Re-aïe. Re-re-aïe. Parce que c'est 25% de maximum PV pour infliger 3 puissantes attaques physiques de feu à une cible intérieure régulière. Ouais, c'est moyen. C'est relativement moyen comme truc. Ok, là, lui il s'est fait crever. Donc je pense que je vais le virer. Honnêtement. Je pense. Aïe. Pourquoi il me tape? Ok, il a remouru. Compétence frappe négative, ça va être avec le l'ombre. Après l'avantage c'est que c'est pas mal de compétences élémentaires qui font des dégâts. Donc pour les personnes vulnérables c'est pas trop dégueu. Enfin pour les ennemis vulnérables. J'hésite encore. Inflige une cible de dégâts correspondant au maximum de PV à l'utilisateur. Moins ses PV actuels.
Inflige à une cible de dégâts correspondant au maximum de PV de l'utilisateur, moins ses PV actuels. Ah, donc moins il a, moins de PV, moins il a de PV, plus il fait de dégâts. Ah, donc c'est intéressant du coup. J'avais oublié qu'il y avait ça. Vent, terre, vent. Là, l'utilisateur est victime du châtiment. Un fond de dégâts pouvant être infligé augmente afin qu'il puisse dépasser 99 900. Ouais, ça c'est pas mal. Rien que pour ça, il le faut. Bon, j'ai jamais atteint au-dessus de 9999. Là, 99 000, c'est quand même beaucoup. Je suppose que c'est possible. Je sais pas comment. Mais s'ils ont mis ça, c'est que c'est possible. Hop, cette fois on l'attaque. On va avoir le 1 PB. Ah ouais, 2000. Il tape fort Elvis, hein. Non, pas aussi, pas autant qu'Adèle, mais... Ça, c'est Adèle, hein. Bon, on peut faire un sidéral, non? Elle fait toujours 9. Elle fait 900. Bon, on va faire ça. Panoutisme. Puissante attaque physique de foule. 1800, c'est pas dégueu hein, la puissante attaque de foule. Bam et bam. On va lui faire trois fois du coup. Ouais. Ça c'est pas mal. 11, lol. Ok. Pourquoi il continue de faire ça? Je sais pas. Très bien. Les attaques se font même si c'est pas l'ennemi que j'ai ciblé, j'ai l'impression. Pourtant c'était peut-être lui que j'avais ciblé, celui-là. Ah, c'est au-dessus qu'il faut que j'aille. Très bien. Il va nous falloir monter sur les échafaudages. Bonjour le coffre. Bouclier astral. Ah. Est-ce que c'est bien? Non. Ça a pas l'air mieux que celui-là. On va aller voir ce que ça fait, bouclier astral. Ah, ça fait surcharge. Et c'est moins bien que tout. Très bien. Ça valait le coup. Bon, je l'ai pas acheté, cela dit, mais... Tchac-a-tchac. Ok, j'ai réussi à dégainer avant. Attends. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Défaut. Ah merde, il est mort. Ah, j'ai oublié de le soigner. Embêtant. Embêtant. Pourquoi ça lag d'un coup, hein? J'ai l'impression qu'il y a trop de particules sur les... Sur les serviteurs, là. Ce qui fait que ça rame. Un petit peu. Aïe. Mais tuez-le, c'est quand que c'est... Ah, lui, il revient à la vie, c'est vrai. C'est vrai. Hop. Après la résurrection de masse avec Gloria, j'ai encore l'hésitation quand même. Hein. Parce que les esprits sont cool, mais pouvoir mettre l'auréole, soigner, résurrecter tout le monde là. C'est quand même pas mal hein, de toucher tout le monde. Je sais pas trop encore pour lequel est le mieux. En vrai, je sais pas. Parce que ça, c'est cool quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Mettre quelle classe en principale?
Ouais. Mais le fait de pouvoir soigner tout le monde. Enfin, de là, vous voyez, je peux faire Y pour rendre la vie à tout le monde. Et sur Spiritisme, je peux faire l'auréole. Et c'est à peu près tout. Ouais, c'est pas très intéressant. Parce que c'est vraiment. T'as une cible. Est-ce que c'est vraiment intéressant du coup? Je suis pas sûr. Je crois pas que j'en avais conclu que c'était intéressant. Ah ouais, donc ça marche pas quand c'est en soin de groupe, mais quand c'est moi-même qui me désigne, ça peut dépasser. Ok. Très bien. Bon à savoir. Il est où Elvis là? C'est lui qui a... Ouais. On va faire plusieurs persos soniques là. Normalement j'ai un passif que quand je touche les ennemis. Un ennemi ça, ça revient en même quoi. Il n'y a pas de restriction. Voilà. Bam, bam. Ça dégage. Bonus outsider, et on gagne rien de plus. On va se soigner. Ok, il n'y a pas besoin. Très bien. On est sur l'échafaudage. Il est en dessous. Très bien. J'ai eu peur. Hop. On a pu monter. Et là, j'ai l'impression qu'on y arrive. Très bien. Changement de perspective, la caméra. Nous y sommes. L'Empire de Musa. Voici le chemin que Messire Sloan et moi avons emprunté lors de notre fuite vers Alcyonia. J'ai l'impression que c'était hier, mais il s'est passé tant de choses depuis. Au moins, tu peux enfin rentrer chez toi. Certes. J'espère que Messire Sloan veille sur nous. J'en suis sûr. Puis bon, on a l'armure de celui qui l'a tué, donc on s'est vengé. Ça change rien, mais... Un peu quand même. Discussion. Eh bien, discutons. Retour chez soi. Soupir. Ça va, Gloria? Je m'en souviens encore si c'était si nettement. Les sourires sur les visages des habitants, papotant dans les rues, le parfum des fleurs au printemps. C'était un si bel endroit, tellement accueillant et chaleureux. Désormais, tout a disparu, perdu à jamais. Oh, je t'en prie, ne t'inquiète pas pour moi, tout va bien. Je me prépare à ce moment depuis que je me suis enfui il y a 3 ans. Je savais que je devais récupérer les cristaux et les rapporter ici. Et je savais que lorsque ce moment viendrait, il ne resterait plus rien de la beauté de Musa. Mais il me reste les souvenirs, eux seront toujours là. J'imagine. Trêve de bavardage, nous devons continuer. Musa nous attend. Bon, on le sent tous, le truc qui va pas bien se passer à Musa. Hein. Est-ce que je peux sauvegarder d'ailleurs? Oui, je peux sauvegarder. On va sauvegarder. Hop. Très bien. Tchac, 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 tchac. C'est pas le moment de s'arrêter par contre. Je crois. Hein. On va s'arrêter là pour cet épisode. Et on est à 2 minutes, j'ai pas envie de vous lancer ce qui va se passer après. Un petit peu de suspense ne fait jamais de mal. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.